Tu marches tout droit, tu vas arriver à la destination. Tu vas jamais aussi loin sans savoir où tu vas. Le soir après l'école, on raccompagnait tous les copains. Au 76, Kandé et Mokhtar. Au 74, Bakou et Banfor. Au 72, c'est moi et Youssif. Vas-y mon pote, viens te chercher pour aller au centre. Allez, à demain. T'es quelle entrée, toi? Moi, c'est l'entrée avec les boîtes aux lettres ouvertes. Ah oui, avec tous les journaux par terre et les scooters qui se croient. Pourquoi tu donnes un coup de pied dans ta porte? Il suffit d'un bon coup de pied, elle s'ouvre. Elle est pourrie parce que tout le monde a déménagé. Mais celle d'ici chez moi, elle est belle. Dépêche-toi, il y a un chien qui arrive. Vite, vite, j'ai peur. Tu as vu le but que j'ai marqué aujourd'hui? J'ai assuré, hein. Je vais t'apprendre à jouer. Tu vas être un pro, toi aussi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est déjà l'heure d'aller au foot. Quand on rentre de l'école, souvent on se clash avec mon frère. Mais on se calme. Parce que notre mère nous attend. Des fois, elle est en train de laver ou de préparer le repas. Ça arrive que je l'aide. Parfois, je lui fais un bisou. J'allume la télé et je prends mon téléphone. Sa maman fait le ménage. Elle en a marre. Elle déménage. Plus personne ne fait le ménage. Sa maison devient un garage. Elle veut tourner la page malgré son âge. Son mari l'encourage. Depuis qu'elle a tourné la page, ses enfants sont sages comme des images. Malgré ce dépannage, elle impressionne sa rage dans une cage à cause de son mariage. Elle entame un voyage pour se remettre la tête dans les nuages. Elle a balayé son passé. Il y a bien quelqu'un qui va sortir, quoi. Et ben voilà, et hop. Mais c'est quoi ça? J'ai failli le recevoir. Mais ça vient d'en haut? Oh, ça va pas, tu pourrais faire du mal à quelqu'un. Et en plus de la nourriture, il croit que c'est gratuit celui-là. Je vais le dire à ta mère, tu vas voir. Et c'est quoi ça? Il se croit où? Oh, plus de respect. T'as bien raison. Il y en a qui fument, d'autres qui se désirent sur ce banc. Après le centre, nous, on se pose là avec nos amis. Et on part. Nicole pense à ses voisins qui ont déménagé, à la destruction du BDS. Son chien, Marius, il est mignon et on aimerait bien le caresser, mais il pue de la gueule. J'ai vu des copains se cacher derrière leur sœur et se mettre tout droit quand un chien s'approchait. Ah, j'ai peur! Ah, mais regarde, il a l'air tranquille. Mais oui, regarde ton petit chien, va. Tiens, approche ta main, il va te sortir. Ça chatouille. Tu vois, tout va bien. Ouais, mais j'avais trop peur. Tiens, je vais te donner la laisse, tu vas le promener. Ah bon, t'es sûr? Vas-y, il a confiance en toi maintenant. Il nous faut un ballon! Un ballon! Sur la terrasse. Hé, hey, les copains, regardez, je suis là-haut. Mais qu'est-ce que c'est? Mais il est sur la terrasse de l'école, celui-là. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux, descends tout de suite. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Descends tout de suite, sinon c'est moi qui vais te couper les deux jambes. Tu veux que j'en parle à tes parents? Non, non, c'est bon, je descends. Vous me faites pas mal aux jambes, madame de la croix. C'est ça, échappe-toi, petit rigolo. Ha ha ha. Mamie Isabelle a habité en Espagne. Elle a fui la dictature de Franco. Et elle est arrivée au 56 de la barre colorée. Mamie Isabelle, c'est notre voisine. Ma mère ne l'a pas encore rencontrée, mais à force de parler de Mamie Isabelle à la maison, elles vont bien finir par se voir. Bonjour, je vous ai apporté du pain pour vos pigeons. Oh, que t'es gentille, ils vont se régaler. C'est le pain d'hier, maman vous passe le bonjour. Tiens, tu veux un petit tour de magie? Regarde bien mes doigts. Ah, ça fait mal. Je tire et hop! Allez, je l'ai remets. Tiens, prends un bonbon. Ah, merci, mon préféré. Quand elle est sur le balcon, elle pense à sa famille restée en Espagne. Peut-être que certains sont décédés. Il lui manque tant. Elle regarde souvent les enfants jouer dehors. Elle se sent seule. C'est pour ça qu'elle nourrit les pigeons. Bonjour, je me suis dit que vos pigeons devraient avoir faim. Je vous ramène un peu de pain de la cantine. Attends, je te ramène un petit bonbon. Merci beaucoup. En fait, c'était trop marrant, parce que Yacine récupérait tout le temps le pain que Mamie Isabelle venait de jeter. Et puis, il lui rapportait de nouveau. C'était vraiment un gourmand. Je suis passé devant votre balcon,
Et j'ai vu que vos pigeons n'avaient plus de pain. Petit coquin, va, je parie que tu veux encore un bonbon. Des souvenirs dans des cadres, des cadres dans des cartons qui s'empilent et ma vie qui défile. L'histoire de Mémé Isabelle. Oh, elle nous donnait des bonbons. En échange de quoi? Elle est morte, je pense. Mais en échange de quoi aussi? Hein? En échange de quoi les bonbons? On lui donnait du pain sec. Pour les pigeons, hein. Eh, c'était pour les pigeons. Ah bah. C'est pas pour elle.